Et j'appelle maintenant Bernard Kayumba et Eric Nsayimainana à venir nous prendre la parole pour nous parler de la résistance sur les collines de Bicécéro. Messieurs. Merci tout le monde. Je commence par une petite présentation. Je m'appelle Eric Nzabihimana. Je suis originaire de Bicécéro et je suis rescapé du génocide des Tutsis de 1994. Il n'est pas facile de raconter ce qui s'est passé pendant le génocide. Parce que c'est amer, difficile à comprendre, mais nous allons essayer. Comme on vient de le dire, le génocide des Tutsis a commencé depuis les années 1959. Il y a eu la chasse des Tutsis, principalement dans les pays limitrophes. L'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie et le Zaïre à l'époque. Et les mêmes scénarios se sont reproduits en 1963 et en 1973. En 1973, j'ai vu ça de mes propres yeux parce que j'avais à l'époque 9 ans. Et toutes ces différentes périodes de menaces, notre population de Bicécéro essayait toujours de résister, s'organiser pour ne pas laisser entrer dans leur territoire les agresseurs hutus qui venaient pour tuer, pour piller les biens et les vaches. Donc, la résistance dont nous allons parler maintenant, n'est pas seulement de 1914, mais ça date de ces années antérieures, comme je le disais. Et c'est pourquoi nous allons le voir que les Tutsis qui échappaient aux tueries dans des églises, dans des stades où ils étaient rassemblés, couraient vers les montagnes de Bicécéro, puisqu'ils savaient qu'ils allaient résister aux attaques. Alors, depuis la mort du président Habyarimana, la nuit du 6, le génocide a commencé à Kigali, et puis à partir du 17, c'est tout le pays qui est en feu, y compris mon village natal. Nous avons suivi à la radio le 7 avril 1994 un communiqué qui interdisait des rencontres ou des groupements de personnes, que chacun devrait rester chez lui. Et quand on voyait dans les régions environnantes, les maisons commençaient à prendre feu et les Tutsis commençaient à fuir et à se faire tuer. Notre village, donc, j'aimerais vous rappeler que Bicécéro, c'est une grande région qui faisait partie de deux communes, commune de Chita et de Sovou, plus de 3 secteurs administratifs, donc c'est un peu large. Alors, tout au début, on se groupait par des villages pour essayer de résister aux attaques. Mon village natal a été attaqué depuis le 8. Nous avons essayé de repousser les attaques, mais le 13 avril, nous avons connu des attaques avec des fusils, des policiers communaux, des gendarmes, et nous n'avons pas pu résister.
Nous avons été obligés de regagner la grande région de Bicêtre pour se grouper ensemble, s'organiser, afin de pouvoir résister aux attaques qui venaient de partout. Dans notre région de Bicêtre, il y avait des vieux, entre autres Karamaga, qui est toujours en vie. Il y avait Birara, malheureusement, qui est mort. Ils étaient experts, si je peux dire, en l'organisation des Tutsis, afin de pouvoir résister. Ils nous organisaient. Malheureusement, on n'avait pas de fusil. On utilisait seulement quelques lances. Ce n'est pas tout le monde qui en avait. Des bâtons, des pierres principalement. Les personnes âgées, les femmes, le bétail devraient se placer derrière et être entourées par de braves gens qui devraient veiller sur leur sécurité. D'autres allaient au front avec des pierres. Alors on se mettait au sommet de la colline pour pouvoir lancer les pierres facilement contre les attaquants. Alors, cette situation a duré tout le mois d'avril. Ils attaquaient avec des fusils, avec des grenades. Alors, notre objectif pour couper courage aux attaques, on devrait forcément attraper vivant celui qui disposait une arme à feu. Comme ça, ça décourageait les autres et qui prenaient fuite. Donc, durant cette période, nous avons pu prendre 13 fusils, bien entendu, avec les propriétaires. Alors, ça continuait jusqu'au 2 ou 3 mai. Les attaques ont cessé et nous avons cru que les tueries s'arrêtaient. Pourtant, ils se préparaient maintenant à mener des attaques de grande envergure. Ce qui s'est passé le 13. Le 13, au lever du soleil, quand on sortait des maisons encore à Bicêtre, qui n'était pas brûlé puisque les attaques n'ont pas pu arriver à nous déplacer de Bicêtre, toutes les collines, dans toutes les directions, il y avait beaucoup de tueurs, des militaires, de la garde présidentielle, des gendarmes. Donc les bus de transport en commun du pays ont tous été amenés remplis de tueurs à Bicêtre. Il y avait des interahamwe du nord, de Gisenyi et de Ruhengeri. Il y avait des interahamwe de Cyangugu. Il y avait des interahamwe de Gikongoro, de partout. Même les camionnettes qui transportaient le thé avaient laissé ça transporter les tueurs, tous en convergeant dans la région de Bicêtre. Nous avons essayé de lutter comme d'habitude, mais ce n'était pas possible, puisque sur une colline, il y avait des tueurs. Si vous quittez cette colline pour aller de l'autre côté, on recevait toujours des coups, des fusillades, des grenades, même des mines antipersonnelles qu'on lançait dans la forêt, des arbres se déracinaient sur nous et on était obligés de fuir. Donc le 13, c'était vraiment l'apocalypse. Toutes les collines, dans les ravins, dans les rivières, c'était des morts qu'on ne pouvait pas compter. Je l'appellerai qu'à Bicêtre, on s'était regroupé autant au nombre de à peu près 50 000 personnes, puisque même aujourd'hui, les corps qui sont inhumés dans le mémorial de Bicêtre, nous avons actuellement plus de 50 000 victimes qui sont inhumées là-bas. Donc nous étions beaucoup nombreux. Le 13, le 14, nous avons connu beaucoup de pertes, plus de 40 000 personnes, parce que ça se voyait partout, c'était des cadavres
qui je sais, sur la route, dans la brousse, dans les rivières, partout. Alors, après cette date, moi personnellement, je me suis dit, c'est fini la résistance, il faut chercher comment fuir le pays, chose qui n'était pas facile puisque, au fond, à bord du lac Kivu, il y avait des barrières qui empêchaient les Tutsis d'aller au Congo. Dans la forêt de Nyungwe, qui menait jusqu'au Burundi, il y avait beaucoup d'interahamwe même dans la forêt, mais avec une trentaine de personnes, de jeunes gens. À l'époque, j'avais 30 ans. Nous avons pris fuite vers le Burundi, ce qui n'a pas été possible. Mes camarades ont été tués dans la forêt de Nyungwe. Et puis après des semaines, je me suis retrouvé rentré à Bisesero. Nous avons changé de tactique, puisque résister, c'était plus facile. Il fallait donner du travail, de la peine aux tueurs pour nous tuer. On courait. On commençait à courir très tôt le matin, dans toute la région. Depuis 8h du matin jusqu'à 15h, 4h, on courait de colline en colline, de brousse en brousse, de forêt en forêt. Et chaque jour, ça se faisait comme ça. Il y avait toujours des pertes, il y avait toujours des pertes, jusqu'à ce que presque tout de suite de Bisesero soit exterminé. Durant ces attaques, la résistance que nous manifestions consistait, comme je l'ai dit, à se placer au sommet de la colline. Vous lancez les pierres, vous lancez les pierres. Une fois les pierres se terminent, vous n'avez plus d'armes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nos commandants, si je peux dire, nous demandaient de descendre et de se mêler aux attaques. Quand il tire, il voit qu'il peut même tirer sur son collègue ou la personne de son camp. Il prenait fuite et on courait derrière eux pour les chasser de la région. Donc, pour venir à Bisesero, les tueurs devraient se préparer. Ils ne pouvaient pas venir comme ça parce qu'ils allaient connaître des problèmes avant les deux dates dont je vous ai parlé. Donc, dira cette période, c'était difficile. Il tuait, il pillait, il détruisait même les plantes qui allaient servir de nourriture pour nous. Donc nous étions menacés par les attaques et même par la faim. Ils avaient détruit toutes les maisons et c'était pendant le mois d'avril de mai, période de pluvieuse chez nous. On mourait de fusil. On mourait de barre, on mourait de machette, on mourait de faim, on mourait de froid. C'était vraiment atroce. En paix de monde, nous avons continué dans ce sens jusqu'à ce que les militaires viennent le 27, les militaires français, et ils nous ont abandonnés durant les 3 jours. Les massacres ont continué, mais spécialement avec beaucoup de phares, forces armées rwandaises qui fuyaient au front, qui fuyaient au FPR. Alors, ces 3 jours, nous avons connu des attaques très sérieuses. Je peux passer la parole à mon collègue Bernard. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Bernard Kayumba, je suis rescapé aussi de Bisesero. On a presque la même histoire pendant le génocide qu'Éric, mais je vais quand même faire un complément. Avant d'aller à Bisesero ou continuer là où il est arrivé, je voudrais vous dire que moi, je n'étais pas au fait natif de Bisesero. J'étais dans les secteurs environnants de Bisesero.
quand le génocide commença, le 7 avril 1994, je venais d'arriver en vacances à la maison. Donc, j'étudiais au grand séminaire, je faisais la philosophie au grand séminaire. Et juste 2 jours à peine qu'on était arrivé à la maison, l'avion du président Abdelmanah était abattu et le génocide a commencé. Chez nous, le 7, on n'a pas directement commencé à tuer, mais on mobilisait les gens, aller au stade, et puis dans les églises. Parce qu'avant, quand les gens se fuyaient dans les églises, on ne les tuait pas. Donc, dans la tête, on avait la même logique, mais les génocidaires, justement, avaient changé, immobilisé pour les concentrer dans les églises, dans les stades, pour pouvoir les exterminer. Donc, on est resté à la maison, donc le 7, le 8, le 9, on avait déjà commencé à tuer juste chez nous. Et le 10, la nuit, c'était, je me souviens, c'était à 21h, le 5, quand on est à table, on nous a attaqué. On nous a attaqué à la maison. Et tout de suite, on est sorti. Ce qui est malheureux, comme on l'a dit, que le génocide des Tutsis de 1994 n'a pas été une surprise, mais plutôt, ça a été bien, bien, bien préparé depuis longtemps. C'est que parmi les gens qui nous ont attaqués, ces criminels-là, il y avait une famille. Et cette famille nous avait chassés en 1963, lors du coup d'État de Habyarimanah. Donc, je me souviens, j'étais encore petit, à 4 ans. Mais quand j'étais dans le dos de ma tante, ce type-là s'appelle Harinda. Il m'a fait 3 coups sur mon dos et voulait nous prendre, moi, la tante, mes frères et ma mère, pour aller nous jeter dans le lac. Parce qu'ils chassaient mon père, mais ils ne l'avaient pas encore trouvé. Et ils ont dit, on va vous jeter dans le lac aussi longtemps qu'on n'a pas encore trouvé votre père. Mais par chance, ça n'a pas eu lieu. Donc, le 10, la nuit, on nous a chassés. On est parti dans la brousse pendant la nuit. Et moi, mon père et mes soeurs, la tante, on s'est cachés dans les bananeraies. Et le matin, on est resté là, donc le matin du 11, et toute la journée. Mais j'ai pris mes 2 soeurs, je suis allé les cacher chez un Hutu voisin, croyant qu'ils allaient les protéger. Et mon père est allé de l'autre côté pour se cacher aussi dans les bananeraies. Et moi, j'ai resté dans un autre endroit. Donc, le 11, toute la journée, il y a eu des attaques, mais on n'a tué personne dans ma famille. Le 12, à midi, il y a une attaque qui est venue, qui me cherchait, parce qu'il disait, on connaît que Bernard était déjà en vacances. À ce moment-là, il voulait tout d'abord éliminer les gens qui des intellectuels, les gens qui étaient bien positionnés, un peu bien positionnés dans la société. Donc, l'attaque est venue, il est passé juste tout près de moi. Je voyais qu'il m'avait déjà vu, mais par chance, ils sont passés à côté. Mais directement, ils sont allés tuer de l'autre côté mon père. C'était à midi et demi. Mes soeurs étaient toujours là. Le 12, juste le soir, à minuit, la nuit, à minuit, j'avais une dame qui m'avait dit que pendant la nuit, ils vont manger les Hutus, ils vont manger les vaches qu'ils avaient pillées. Et puis vers minuit, on pouvait bouger parce qu'à ce moment-là, ils se reposaient. J'ai quitté chez nous à minuit pour me réfugier à la paroisse de Mubuga. Parce que j'avais eu l'information comme quoi, à la paroisse de Mubuga, s'était rassemblé beaucoup, beaucoup de Tutsis qui s'étaient réfugiés là. Et comme c'était ma paroisse,
et que c'était et que j'étais au grand séminaire, je croyais que quand j'arrive là, le prêtre allait m'accueillir. C'était vraiment un prêtre criminel, je le dis bien, et il est même ici en France, il s'appelle Marcel, Hitayez ou Marcel. Il était le vicaire de la paroisse parce que le curé, à ce moment-là, était en réunion chez l'évêque. Quand je suis arrivé à la paroisse, d'abord, j'ai trouvé les criminels, les tueurs. Ils regardaient l'église pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui puisse entrer dedans. On a tenté de me tuer, mais par chance, j'ai trouvé que les Tutsis qui étaient dans l'église ont ouvert directement la porte et j'ai entré et j'ai échappé à ces tueurs. Arrivé là, je me suis dit, il faut aller me laver, puis voir le prêtre. Quand j'ai rencontré le prêtre Marcel, il a dit, attention, ne me touchez pas, ne me saluez pas. Je ne veux pas de toi. J'ai été très surpris parce que normalement, je croyais que j'allais être bien accueilli sur le prêtre, comme quoi moi aussi je me préparais à être prêtre. Mais ça a été une déception totale. L'église était pleine de gens. On est passé, c'était le 13 matin. On a passé toute la journée du 13, du 14. Mais ce prêtre de Marseille, là, il avait coupé même l'eau pour les Tutsis qui étaient dans l'église. Ils pouvaient laisser entrer aussi quoi que ce soit, même quelque chose à manger. Ça faisait autour de 3-4 jours sans que ni l'eau ni la nourriture dans l'église. Très tôt le 15 matin, vers 5h30, on a attaqué l'église. Mais c'était toujours le prêtre qui était derrière cette attaque-là parce qu'il négociait avec les tueurs, il négociait avec les bourgmestres, les gendarmes, les généraux qui étaient aux environs et le voyaient juste devant l'église. On nous a attaqué très tôt le matin, le 15. On a essayé de se défendre parce qu'ils voulaient nous faire sortir de l'église pour pouvoir nous tuer avec les machettes et les haches. Et on a mené une résistance pour éviter qu'ils puissent nous tuer de cette manière. On préférait être fusillé ou bien être tué par les grenades. Bon, comme ils ont pu entrer, ils ont lancé des grenades. Ils ont lancé aussi des gaz lacrymogènes pour nous obliger à sortir. Ils ont fusillé dedans, mais complètement on a refusé. On a préféré justement mourir de cette manière plutôt que de nous livrer à eux. Ça continuait jusque vers 11h, mais quand ils ont vu qu'ils n'étaient pas capables ce jour-là de pénétrer dedans, ils ont dit, on va garder l'église, comme ça, comme vous avez encore un peu de force, on va vous garder dedans, et puis dans 2 ou 3 jours, on viendra encore vous exterminer sans résistance. Ok, on est resté là en attendant la mort. Et puis, le soir, il y a quelqu'un avec qui on était ensemble à l'école primaire, il m'a dit, je connais une route qui va au Burundi à travers la forêt naturelle de Nyungwe. Donc c'est la forêt naturelle de Nyungwe, c'est une grande forêt qui est très vaste entre le Rwanda, toute la frontière avec le Burundi. Donc, il m'a dit on peut y aller, mais il m'a dit il faut éviter de dire à beaucoup de gens parce que on ne sait pas comment défendre les gens si on y va à un nombre élevé. Bon. Il y a des gens qui ont capté nos messages, ont dit on va à l'ensemble. Et finalement, on s'est décidé à 9. Donc 5 garçons et 4 filles. On a quitté l'église la nuit, 21h45. Et on est parti, on est tombé dans une embuscade. On a tué directement 4 de nous, et puis les 5, ils ont continué. On est arrivé à Bicesero très tôt le matin, le 16, mais comme il commençait à faire jour le matin, on a décidé de nous cacher afin que nous puissions continuer la route la nuit. Juste quand
venait d'arriver juste dans notre cachette. Il y a une vieille un type de psychologue qui est venu avec deux petits-enfants. Il a dit, ici, on ne se cache pas comme ça. Mais comme vous étiez vraiment affaibli par la faim, vous restez là avec mes deux petits-enfants. Et puis le soir, je vais revenir vous voir et puis vous dire quoi faire. Il est revenu le soir. Et puis il nous a dit, il nous a donné à manger. Et puis il a dit, demain matin, je vais vous amener là où sont les autres. Donc, où étaient rassemblés les gens d'Obisessero, où ils avaient commencé l'existence, s'il y a un mot qui se nomme Mouira. Donc, on est allé là, on a rejoint les autres. Et puis, comme Eric l'a dit, on a commencé à combattre, on a commencé à faire cette résistance à Abisessero. Mais je voudrais rappeler que aux environs de Abisessero, il y avait pas mal de paroisses, paroisses adventistes de Dongoma, paroisses catholiques de Mubuga, le stade de Kibuye, l'église de Kibuye. Partout là, il y avait beaucoup de Tutsis qui s'étaient réfugiés là. Mais on les a décimés jusqu'au 17 avril. Et le peu de gens qui ont pu échapper, c'était les réfugiés justement à Abisessero pour les joindre les autres. On a essayé de combattre, et comme Eric l'a dit, mais on peut se demander qu'est-ce qui était la motivation de cette résistance à Abisessero. La première chose qui motivait les gens d'Abisessero, c'est que ils avaient été chassés, menacés depuis longtemps. Raison pour laquelle ils avaient décidé de faire une résistance à qui que ce soit pour ne pas mourir comme des mouches ou pour mourir en héros. En plus de cela, ils avaient pris la décision de mener cette résistance pour tout d'abord protéger les faibles, c'est-à-dire les femmes et les enfants. Donc les hommes disaient, en tout cas, ces criminels-là, ils vont atteindre nos enfants et nos femmes, ainsi que nos bétails, juste après nos morts. Ça a été aussi une grande motivation. Et comme Eric l'a bien explicité, les stratégies étaient de se mettre ensemble, était aussi de surveiller les collines pour voir d'où viennent les attaquants, les criminels, les tueurs. Et puis, il fallait aussi appeler les vieux qui étaient avec le grand nombre qui se trouvait sur le mont Mouira où les gens se rassemblaient. S'il y a une attaque, il fallait envoyer une partie pour aller combattre cette attaque. On a fait ces stratégies, quand les attaques venaient, on les combattait, on essayait de s'approcher d'eux, et puis il y avait l'ordre de se mêler avec l'ennemi pour justement semer confusion à l'ennemi, afin que s'il y a quelqu'un qui a un fusée, qu'il ne puisse pas tirer, ou bien qu'ils ont peur de s'entretuer aussi. Comme ça, ça nous arrangeait aussi pour pouvoir nous défendre et chercher à attraper celui qui avait le fusil. Jusqu'au 13, en tout cas, on se défendait bien avec les armes traditionnelles, les machettes, les lances, etc., les pierres. Mais avec l'attaque de grande envergure dont Eric a dit du 13, on a brisé complètement notre résistance, de façon qu'après, on nous chassait dans les brousses, dans les trous, en utilisant les chiens, avec tous les moyens possibles. Donc, de façon qu'il a laissé peu de gens à Abisessero, alors qu'au départ, il y avait un grand nombre, entre 50 et 60 000 Tutsis à Abisessero. Donc, le 27, les soldats français sont venus. On croyait qu'on allait être sauvés, mais ils nous ont laissés là. Et pendant les trois jours, du 27 au 30,
on a tué beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Il y a eu beaucoup d'attaques et on a tué un grand nombre de gens. Nous sommes venus 30. Je crois que dans cet après-midi, on va continuer, surtout en ce qui concerne l'arrivée des militaires français et ce qu'ils ont rencontré et comment on les a vus à Bécécéro. Merci beaucoup. Merci à vous deux, merci Eric, merci Bernard, merci de nous avoir fait partager ces instants si terribles et du génocide, mais aussi de la résistance dont on ne parle pas assez souvent. J'ai souvent assisté à des moments dans lesquels on parlait du génocide des Tutsis au Rwanda, souvent parce qu'en tant que membre de l'association Survie, on est souvent présent, mais c'est si rare déjà en France d'entendre parler du génocide des Tutsis. Mais alors de la résistance, merci vraiment. C'est quasiment une première pour moi.